L'amalgame, c'est un mélange de genres bien différents qui amène de la confusion souvent dans les esprits. Faire un amalgame, c'est mélanger un petit peu tout, rajouter les choses aux autres dans un ordre dispersé, non conventionnel. C'est une définition très personnelle, je ne crois pas que ce soit celle du dictionnaire. Amalgame, confusion, mélange... Un mélange pas heureux. Je pense tout de suite aux dents. Voilà, amalgame dentaire. Moi, j'essaie de ne pas en faire d'amalgame. Mais du charabia, j'en fais certainement. Je progresse petit à petit avec l'âge. Je me donne 20 ans et j'en ferai plus du tout. Soit d'utiliser un mot pour un autre, ou l'amalgame de notre société où on est tous mélangés. C'est positif, ça. Je pense que ça, c'est un problème de culture, de connaissance, de savoir, où il y a plein de gens qui savent pas penser seuls et pour qui c'est la facilité de faire des amalgames. À partir du moment où il y a eu de l'information et de la presse, il y a eu qu'on était dans l'opinion et à chaud, il y a eu des amalgames même au 19e siècle, voilà, bien avant. Faire un amalgame, ce serait prendre des vessies pour des lanternes un peu.